Bonsoir Anthony, on est ravis de te compter parmi nous ce soir. Ma première question, c'est un peu celle qu'on a posée à Elina et Sophia, c'est qu'est-ce qui a motivé ton engagement pour cette liste ? Alors, d'abord, je veux dire que j'en suis fier. C'est important. J'en suis fier et même un peu ému. Je pense à mes grands-parents, mes parents, peut-être regardent-ils là où ils se trouvent. Et ils doivent se dire que finalement, je n'ai trahi ni les miens, ni ma classe. Après j'ai quelques bonnes raisons d'être présent sur cette liste. La première, elle est générale. Je le disais tout à l'heure, il me semble que les temps en France et en Europe sont sombres et qu'on est dans cette période dont Gramsci disait qu'elle favorise l'irruption des monstres. Eh bien, face aux monstres, moi, j'ai envie d'être avec vous pour me battre. Donc, je prends ma place. Après, je le disais tout à l'heure à la conférence de presse, et donc je vais le redire, je suis présent sur cette liste parce qu'il me semble qu'elle porte un projet de société qui est le mien et qui est celui de la sécurité sociale. Ce système effectivement inventé par un ministre communiste à la Libération, dans lequel on cotise selon ses moyens et on reçoit selon ses besoins, il faut que cette règle devienne la règle d'or, en Europe. J'ai une troisième bonne raison, qui est que l'Europe, c'est le niveau pertinent aussi pour changer les choses. C'est là qu'il faut faire péter le carcan de l'austérité, et c'est là qu'on peut porter des constructions alternatives. Et parmi ces constructions alternatives, il en est une qui m'est chère, qui est cette idée de service public du médicament à l'échelle européenne. Un service public du médicament à l'échelle européenne, ça veut dire un jour être capable de produire les médicaments essentiels, ceux qui sont sur la liste de l'OMS et dont on considère qu'ils sont essentiels aux besoins humains en santé. C'est par exemple faire face aux pénuries de médicaments récurrentes parce que l'espérance de profit n'est plus assez forte. C'est s'opposer à l'explosion des prix des médicaments innovants, et je sais de quoi je parle dans le cancer, pour pouvoir au contraire un jour peut-être dégainer ce que l'on appelle la licence d'office et qui nous permet, État, lorsqu'on considère que les intérêts en santé publique sont menacés, eh bien de produire les médicaments dont l'industrie refuse de négocier les prix. Donc pour toutes ces raisons, le niveau européen est pertinent. Il y a une dernière raison, qui est que pour moi, l'Europe de la santé, elle doit être solidaire. En tant que soignant, cette liste comme ailleurs, j'ai un certain nombre de serments qui me lient. Et j'ai aussi des valeurs universelles qui sont les vôtres. Quand on est migrant, quand on a traversé 1000 périls pour arriver jusqu'à nos côtes et qu'on a besoin de soins médicaux, on doit les recevoir. Qu'on ait une carte bleue ou non, qu'on ait une carte vitale ou non et qu'on ait ses papiers ou non. Je crois que c'est pas mal de bonnes raisons. C'est pas mal, effectivement. Emmanuel Macron a annoncé 120 000 suppressions de postes dans la fonction publique. Faut croire qu'il n'a pas vraiment saisi le message. Concrètement, toi, ça veut dire quoi dans ton quotidien de médecin à Marseille ? Je crois que c'est beaucoup de souffrance pour les soignants, c'est beaucoup de souffrance pour les usagers. Quand on détruit le service public, quand on détruit quand on réduit le nombre de fonctionnaires, quand on appauvrit le service public, on crée les déserts médicaux, on crée la souffrance au travail, on crée les inégalités dans l'accès aux soins, et quand on fait reculer le service public, on sait bien ce qui se passe, on le voit à Marseille, où le privé prend le contrôle. On a entendu, il y a peu, plusieurs centaines de suppressions de postes à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, et on apprend que dans le 12e arrondissement, à quelques mètres d'où j'habite, va se construire peut-être, si on ne les laisse pas faire, on peut arrêter ça, un hôpital privé, ce qui est donc totalement scandaleux. Et donc je ne suis pas très étonné que Macron joue dans cette catégorie. Même question que pour Sophia et Elina, tu t'es engagée, on a entendu tes raisons. Qu'est-ce que t'attends, toi, de cette campagne qu'on lance ce soir ici à Marseille ?
J'attends qu'on, en effet, on change l'Europe, qu'on puisse aussi être un coup d'envoi à la reconstruction d'une gauche offensive qui puisse un jour reprendre la main sur les forces de la bourgeoisie qui nous gouverne. Et je veux terminer, parce que évidemment d'autres vont parler, sur quelques mots de théorie. J'ai réfléchi à des aspects théoriques. J'ai beaucoup entendu depuis ces derniers mois de gouvernement et de présidence Macron une théorie qui s'appelle la théorie du ruissellement. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce dont il s'agit. C'est un concept brumeux dans lequel il suffirait d'inonder de richesses ceux qui ont déjà beaucoup pour que peut-être quelques gouttes puissent ruisseler vers ceux qui n'ont pas grand-chose. Alors évidemment, comme vous, je ne crois pas un mot de cette fable, mais je pense qu'on peut inventer un autre modèle de ruissellement. On peut faire ruisseler l'égalité, on peut faire ruisseler la solidarité, et on peut faire ruisseler le bonheur pour tous. Et il y a déjà très longtemps, Saint-Just disait que le bonheur est une idée neuve en Europe. Eh bien, je crois qu'avec cette liste, on peut faire en sorte que cette idée, ça soit une réalité. En avant, camarades. Merci beaucoup, Anthony.